Salut tout le monde, on est de retour sur Clone Drone in the Danger Zone pour une nouvelle vidéo et on va ensemble continuer la suite des challenges. Alors là, ça va être un peu spécial puisque on va attaquer des challenges qu'on avait déjà fait à l'époque mais qu'on n'avait pas réussi à compléter. Dans cet épisode, nous allons attaquer l'Endless Boat Challenge. Donc on va devoir utiliser uniquement l'arc. Voilà, donc ça va être assez compliqué je pense, mais on va essayer de donner tout notre force dans ce challenge pour le réussir. Donc c'est parti pour l'Endless Boat Challenge. Let's go. On y va. Et si on réussit du premier coup, ce serait quand même assez exceptionnel. On va pas se mentir. Allez, let's go. Surtout que moi je suis pas très fort hein, avec l'arc. Hein. Oh là là, on commence par cette map. Oh là là, on commence par cette map, mon dieu. On commence par cette map, formidable. Alors oui, cette map c'est une map bronze, hein. Voilà, je tiens à le dire, hein. Alors que je trouve qu'elle est horrible. Bon là, ça va, on a des robots bleus, c'est les robots de base, donc on va juste tourner. On va juste tourner. Ok. Alors, il faut attendre que l'énergie remonte, ça c'est un peu le problème. C'est très très long. La 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 la. Ok, il en reste deux. Ok, il en reste un dernier. Ça donne vraiment le tournis, hein. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont le tournis. Je ne peux pas faire autrement, c'est la technique pour les vaincre. Très bien, premier level. Ça va être très long ce challenge, hein. Donc j'espère qu'on va... Ah, qu'est-ce que je fais? Ça aurait été drôle que je sois tombé dans la lave après ça. Allez, on y va. Oui, donc je disais, ce challenge va certainement être très long. Donc j'espère qu'on va pas mourir au 14e level. Parce que tout recommencer, ça va être horrible. Donc voilà, on a un trophée supplémentaire. Donc il nous en reste en tout 4. Du coup, c'est les 4 derniers challenges qu'on n'a pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on va augmenter du coup? Bah, je pense qu'on va augmenter le beau au maximum. On va quand même déjà prendre un clone. Voilà, donc ça c'est quelque chose à faire. On va déjà prendre un clone et ensuite on augmentera le beau. On augmentera l'arc. Bonsoir. Oh toi. Alors c'est bien, cela ne renvoie pas du tout les flèches. Donc on peut les tuer vraiment très facilement. En plus il nous fonce dessus. Il est pas mort là? Là il est mort. Alors what the... Très belle esquive. On va tuer lui aussi. Voilà. Et le dernier. Bon, rien de compliqué ici. On est sur du robot. Tant que le robot ne renvoie pas les flèches, c'est très simple. Par contre, quand on va commencer à croiser les robots qui renvoient les flèches, là on va moins faire les malins quoi. On va moins faire les malins. Alors bah écoutez, on augmente ça. Alors 200% wider arrow, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la vitesse? Ah non, c'est la grosseur, d'accord. Donc là la flèche est deux fois plus grosse du coup. 200%, donc deux fois plus grosse. Attends, on va tester. J'ai pas l'impression. Wider arrow, wider c'est le grossissement. J'espère que je dis pas de la merde. On va déjà tuer les archers. Hop. Oh merde. Oh merde, j'ai été touché par un archer. Oh quel débile. Alors faut pas hésiter à toujours bouger en fait. Hop. T'es mort. Toi t'es mort. Et toi. Toi t'es mort, j'ai dit. Et voilà. C'est réussi. Alors on a été touché, mais j'ai pas eu de blessure. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de pas être décapité. Non, on est déjà en level argent. Time slow when I am. Ah, quand on vise, on a un ralenti. En vrai, ça c'est pas dégueulasse. Là, on peut augmenter la grosseur de la roue. Attendez, je réfléchis. Le jetpack va pas. Franchement, le jetpack, je pense qu'il va vraiment pas être utile avec le beau. Je pense pas. On va tester du coup le time slow, tiens. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ça y était avant ça? Je pense. I am time unlocked. Ok. Bon là ça marche pas. Ah, attendez. Ah, il faut clic droit en fait. D'accord, en fait il faut clic gauche pour viser, ensuite clic droit pour activer l'IM. Ok, on a un petit dash aussi, faut s'en rappeler. Alors attendez. Ah ouais. Est-ce que c'est vraiment ouf en vrai? Ah, est-ce que ça utilise de l'énergie? Ah, ça utilise de l'énergie en plus. Ouais, à voir, franchement, à voir.
ça peut aider pour viser les... Wow. Les robots au loin. Bah même avec la IM, j'arrive même pas quoi, putain. J'arrive même pas à viser les ennemis. Ouais, je sais pas la IM, hein. En vrai, ou alors il va falloir beaucoup d'énergie. Là, j'en ai pas encore assez. Vaut mieux les garder pour les flèches. Oh, mais bordel! Eh ben dis donc, faut motiver, hein. Tiens! Allez, bon, toucher juste un peu. Non, la IM, j'ai pas assez d'énergie. Encore. Mais dis donc, ça esquive bien en tout cas, hein. Faut que j'attende qu'il saute en fait. Oh là là! Oh là 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 là! Et je vous le dis, ce challenge il va être très long. Toi, tu peux pas sauter. Voilà. Enfin, si, tu peux sauter avec une jambe. Hop! Alors, t'as pas eu le temps là? Alors? On a perdu ses jambes, on est mort? Yes! Bon, pour l'instant, on est plutôt bien. Je suis assez content de moi. Parce qu'on s'en sort bien. Mais il n'y a pas encore les robots qui renvoient les flèches. Donc, voilà. Alors là, on peut ralentir encore plus le temps. Time slow! Mais ce qu'on va faire, c'est plutôt augmenter la taille des flèches. C'est peut-être la vitesse. Non, c'est la taille des flèches. Ouais, on voit bien la largeur qui est augmentée. Et après, je pense que je vais augmenter ma capacité d'énergie pour pouvoir balancer un maximum de flèches. Hein. Hop, toi t'es mort. Le petit time slow. Oh, genre. Tiens, j'ai dit. Tiens. 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 Ah, ça esquive toujours aussi bien. Voilà, c'est des robots rouges donc. Eh. Voilà, c'est toujours aussi détente. Et venez là. Bon, ils sont beaucoup, j'arrive même pas à les viser. Il faut s'approcher, faut prendre des risques. Comme ça, ils ont pas le temps d'esquiver. Quand on est proche d'eux. Si je suis trop loin, ça le fait pas. Ouais, voilà, faut s'approcher. Tiens, ou attendre qu'ils ont fini leur saut. Allez, ils sautent tout le temps parce qu'ils savent pas quand je vais tirer. Oh, il a presque esquivé lui. Excellent. Donc là, on va du coup augmenter l'énergie de capacité. Toujours plus d'énergie pour balancer les flèches. Et après la regen d'énergie qui va être très utile du coup pour faire le time slow. Voilà. On va l'augmenter à fond hein, tout le temps. Capacité d'énergie, c'est hyper important avec le bow. Salut toi. Ok, on va d'abord tuer ceux-là. Hop. Petit ralenti des familles. Il est pas mort lui? Oh, il a touché son pote. Tiens. Voilà, là il est mort. Tu vas faire quoi toi? Tu peux tellement rien faire. C'est pareil hein, les robots marteaux en vrai ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas renvoyer les flèches. Ils peuvent sauter mais malheureusement ils sont gros. Du coup bah tu les vises facilement. Donc le c'est sûr que le bow il est très fort contre les robots marteaux. On continue, on augmente du coup l'énergie capacité. On passe à 4 d'énergie, voilà tout simplement. Le 4 d'énergie qui fait plaisir. C'est validé. Alors toi déjà tu meurs. Voilà. On va tuer ceux-là. Pourquoi j'ai pas réussi à lâcher? Voilà, alors on fait attention aux flèches. Voilà. Et vous allez mourir aussi hein, du coup. Hein. Oh là là. Alors on va faire attention quand même. Ils sont rapides. Ouais, lui il a plus de jambes. Ils sont derrière moi. Je vais tuer lui. Hop. Sauf s'il saute. Il saute pas. Ah, vous êtes mort en fait là. Voilà. Hop. Lui il a plus de jambes. Regardez-le. Ah, il a plus de jambes. Regardez-le. Il peut tellement pas esquiver. Il a pas de jambes. Et ben j'ai l'impression que c'est plus facile avec le. Avec l'arc finalement. C'est trop bizarre. J'arrive à gérer les ennemis. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe dans cette vidéo. C'est formidable. Non mais en vrai, j'ai pas perdu une vie. On est à plus de la moitié. C'est assez incroyable. Rechargement d'énergie. Comme ça, on va pouvoir spammer les flèches. C'est une très bonne idée. Et après, bah, on prendra de la vie. Et de la vie, de l'armure. Tout le bordel quoi. Ah ça, je connais cette map. Elle est facile. Très facile. Oh, boum. Raté. En fait, faut qu'il tombe dans le trou. Voilà. Alors par contre, eux, ils vont me saouler. Hop. Le time slow. Time slow. Tiens. Toi t'es mort.
Le time slow. Là en vrai on a tellement d'énergie que le time slow est vraiment cool. Oh attention tu vas tomber. On attend qu'il saute. Oh là il est super utile le time slow. Oh là là c'est formidable. En vrai là le time slow est vraiment très utile parce qu'on commence à avoir beaucoup d'énergie. On a l'énergie rate plus 50%. Là on va débloquer le plus 100%. Donc après je prends le time slow qui ralentit encore plus. Et là ça va être incroyable pour lui. Ça va être formidable. Hop, énergie rate plus 100%. Voilà. Et ensuite le time slow au maximum. Et là on va se faire plaisir quoi. La régalade. Regardez ça, regardez ça. Allez là on fait ça. Bon là je bouge pas donc ça sert à rien le time slow. On va tuer ceux-là déjà. Regardez, regardez cette belle. Oh je l'ai pas eu, si je l'ai eu. Le time slow en l'air. Alors ça, ça c'est formidable aussi. Attention, attention. Ah lui il renvoie, c'est vrai. J'ai oublié. Hop, merde. Hop. Putain j'arrive même pas à le viser avec le time slow quoi. Et hop. Ah merde c'est vrai, eux ils renvoient. Oh ils vont nous saouler. Comment on va les tuer? Je ne sais pas pour l'instant. Oh hey, ça c'est beau ça. Faut qu'ils tombent dans la lave hein, tout simplement. Ah bah voilà. Oh merde c'est tellement triste pour eux. Regardez regardez c'est tellement triste. Mais là heureusement qu'il y avait de la lave. En vrai s'il n'y a pas de lave comment les tuer? On est obligé de débloquer le kick. Ah non il faut attendre qu'il tape sinon. C'est compliqué quand même. En vrai si c'est possible. J'attends qu'il tape. En fait je mets le ralenti. Bah c'est pour ça qu'on va débloquer le time slow. Slow niveau 2. Et comme ça quand il tape j'ai juste à claquer le time slow. Et ensuite je tire au bon moment. Et c'est forcément réussi. C'est la réussite forcément. Bon bah vous vous êtes mort en fait hein. Voilà je tiens à le dire. On peut enchaîner les flèches. Regardez regardez regardez. Oh là 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 là, là ce combo. Eh, parce qu'on peut enchaîner les flèches hein. Voilà. J'en ai tué deux. Il est où le dernier là? Salut. Ah oui d'accord. Non mais si tu fais n'importe quoi aussi. Attention attention. Le tir en l'air. Incroyable. Incroyable tout ça. Tiens tiens tiens. Oh mais là. Mais non mais là c'est du génie là. Oh là là mais là c'est tellement simple. C'est tellement simple. On peut tellement enchaîner les flèches que ça en devient ça en devient risible. J'essaie d'utiliser des mots que je ne comprends pas. Oui du coup là on prend l'armure. Voilà on prend l'armure c'est formidable. L'armure bien entendu. Et après on fout le bourre les clones hein. Salut. Alors j'aimerais bien tuer d'abord eux. Mais non pas vous. Hop. Vous êtes morts vous. Voilà. Alors si je tire ma flèche est-ce qu'ils peuvent les renvoyer? Je pense que oui hein. Ah ouais on est sur du time slow de génie là. Ah ouais 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 ça ralentit quand même pas mal hein. Oh attention. Oh ils vont me saouler eux. Bah c'est eux que je veux viser d'abord. Tiens tiens tiens. Ils ont tout renvoyé. Il est pas mort. Voilà. Bon on va utiliser le décor hein, pour les tuer hein, ceux-là hein. Mais non mais là il est mort. On va essayer le décor du coup les potes hein. On a pas trop de choix. Enfin si on peut attendre. On va essayer. Attendez je vais essayer de les tuer sans utiliser le décor. Je risque ma vie à tout moment. Allez tape. Tape pas. Ils attendent. Ils ont compris. Ils ont compris la technique Ils ont compris la technique. Ah mais non on va devoir utiliser le décor. Ils tapent pas. Oh. Non. Non, il a réussi à renvoyer quand même. Oh, mais mourir avec le décor. Non, mais là vas-y, on va tuer le décor. Je crois qu'il n'y a aucune autre possibilité. Allez, mourir avec le décor. Allez. Allez, non, ici, là. Oh, ils sont trop... Il y en a un qui est mort. Oh, le deuxième. Oh, le deuxième qui va y passer. Le... Oui, c'est gagné. Mais si, attendez, s'il y a un moment où il n'y a pas de décor, je suis dans la merde. Ou alors faut débloquer le kick. Est-ce qu'il faut débloquer le kick vraiment? Non, il me faut de la vie, il faut de la vie, je suis désolé. Je suis désolé, plus de vie. Plus de vie. Vraiment. Plus de vie. Ils peuvent pas renvoyer eux. Oh merde.
Après ça va, il y a des choses sur le côté là. Oh, c'est comme la galère. Oh, c'est comme la galère. Oh là, tout le monde la galère. Ok, on va aller tuer l'araignée. Ah non, l'araignée, faut pas la tuer justement. Ah non. Oh là là, c'est la galère. Ok, il faut utiliser ces bombinettes justement. Les bombinettes. Je sais ce qu'on va faire. On va se placer ici. Faut jouer avec l'araignée. Oh oui, c'est la technique. Merde. Non non non. Oh non mais là, là on peut pas perdre sur ça. Non non non, on peut pas perdre sur ça. Ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué. J'aurais dû prendre le kick. Je me mets là. Est-ce que l'araignée peut tirer jusque là? Va tirer dans leurs jambes. Ah non, quoi qu'il arrive, il renvoie tout hein. Ah bah là, il y a que l'araignée qui peut nous aider. On va tourner comme ça, on va essayer de faire le tour tranquillement. Faut jouer avec leur corps, on n'a pas le choix. Oh oui. Oui, bien joué. Ça c'est bien joué ça. Ça c'est bien joué. Non, 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 non. C'est bien joué pour le joueur français. Oula. Je peux pas perdre cette vie. Dès qu'ils sont touchés par une boule. On la ralentit. Non. Merde, 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 merde. Oh lui il est mort. Oui. Oui il est mort. Ok. Merci l'araignée hein. Il a plus de jambes. C'est bon. Il est foutu le. Il est foutu. Il est foutu. Allez, tuez-le là, l'araignée. C'est bien ça. Et ben il est mort. Et ben voilà. Et ben ça, ça c'est incroyable. Alors on peut mourir hein, je crois, avec les bombinettes de l'araignée. Donc on va juste balancer la sauce là. Tiens, 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 tiens. Voilà, terminé. Attends, quoi? Pourquoi les flèches ont été renvoyées? Attendez. Il y a un moment où les flèches ont été renvoyées. J'ai failli mourir là, non? J'ai vu les flèches sur... Ok, c'est pas grave. J'ai cru voir les flèches. Non mais si, les flèches ont été renvoyées. C'est l'araignée qui avait ça? Bizarre. Voilà, il reste encore deux levels. J'espère vraiment pas perdre parce que là le challenge il est quand même très long. Soit je prends le kick, soit je prends encore. Allez, une extra life. On continue dans l'extra life. Oh là 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 là. En espérant qu'il y ait encore du décor. Ou une araignée, quelque chose. Il y a une araignée déjà. Ok, c'est rassurant. Il y a une araignée, donc déjà, pas de problème avec ça. Ça va tomber dans de la lave assez facilement. Bon, on va les tuer. Hop. Hop, t'es mort. On va tuer ceux là-bas. Hop, on descend. Parce que c'est assez flippant. Ils sont tous morts les autres? Ils ont l'air d'être... Attendez, ils sont tous morts là. On a gagné? Il reste que l'araignée? Oh là, c'est incroyable, il reste que l'araignée je crois. Oh, c'est trop bien. Meurs l'araignée. Oh là 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 là, ce level qui a été réussi mais parfaitement. Les créatures sont juste mortes. Les robots sont juste mortes automatiquement, je n'ai rien fait. Mais sur ce level là, ça marche toujours bien les robots. Ok. Une petite patte qui a essayé de décider de parcourir le monde. Est-ce qu'on prend encore une extra life? Allez, on va jusqu'au bout de l'extra life. Et c'est du coup le dernier level. C'est parti. Ouf. Bah franchement, si je réussis du premier coup, je serais fier de moi. On a 3 de vie en vrai, donc je pense qu'on va réussir. Très compliqué de rater sur celle-là. Ah salut toi. Hop. Voilà, c'est validé. Ah c'est cette map, d'accord. Ah oui, elle est pas facile celle-là. Elle est pas facile. Oh putain. Oh putain, j'ai eu peur, réellement. J'ai eu très peur. En vrai, on va la réussir. On a le ralenti. Le ralenti, ça nous aide. Non, faut pas tuer les... Eux, il faut les tuer. Au secours. Oh, je suis mort quand même. Oh merde. Oh non, 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 je peux pas... Oui. Il y avait une bombinette à côté d'eux. Là, il faut pas tuer toutes les araignées. Il faut justement profiter des araignées. Alors, je peux pas rater ça là. Ah ouais, d'accord. Ok, lui. Toi, t'es mort. Non, 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 non. Il reste quoi? Ils sont où les autres? Il reste pas qu'une araignée quand même.
Ah, il reste qu'une araignée? Oh non, il restait pas qu'une araignée. Oh non, il restait pas qu'une araignée, il est où l'autre? Bon, on va descendre, hein. Il est là. Ok, il faut jouer avec son corps. Il va venir. Il va finir brûlé. Oui! Et il est mort! Et oui, c'est un GG! Le challenge est complété, yes! Du premier coup. Et du coup, on a débloqué les flèches de feu. Excellent! Et bah écoutez, je m'applaudis, ouais, c'est un peu. Oui, le mec s'applaudit, hein, clairement. Mais c'est cool, on a réussi le challenge du premier coup. Je suis heureux, clairement, je ne pensais pas. Voilà, donc on l'a raté à l'époque. Parce que ça tombe, on l'a jamais fait ce challenge. Mais moi, il me dit quelque chose. Donc je crois, j'en suis persuadé qu'on l'a déjà fait. Bah écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, ce challenge réussi du premier coup. Que dire de plus, à part que j'ai été très fort, voilà. Et qu'est-ce que je vous dise? Je suis un peu le meilleur joueur de Clone Drone. Non, je plaisante. Allez, merci à tous. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires, à laisser des partages comme d'habitude. Et la prochaine fois, nous ferons ensemble le challenge. Attention, le Endless Hammer Challenge. Donc cette fois, nous aurons que un marteau. Très bien, ça va être bien cool. Merci à tous. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Salut.